Bah nickel, franchement c'est super la Camargue, surtout quand on sait qu'on aide les handicapés. Dina, comment tu te sens ce début de troisième jour de travail? Un peu fatiguée mais super motivée parce que c'est le dernier jour. Bah après trois jours de travail quand même on commence à avoir mal au doigt, on a quelques ampoules aux mains. Pas comme le premier jour mais on est toujours motivé parce qu'on sait ce que nous faisons parce que c'est pour les handicapés. En forme, un peu fatiguée mais ça va, on est motivé pour le boulot. C'est super la Camargue. Et le gîte, ben c'est pareil, c'est super même si c'est un peu rude. Tu me poses ma question, ça va. Donc comme je disais, ça va, on a une matinée de travail, on va finir le chantier, puis après on a une sortie cet après-midi, c'est motivé, motivé. Alors on est ici pour travailler. Alors après le troisième jour, on est un peu crevé, mais on est motivé pour offrir aux autres ce qu'on est en train de construire pour pouvoir pour découvrir tout ça. Bon, le gîte pas super, mais bon, c'est bien quand même. Bon, ça va. Alors montre-nous ton ampoule. C'est marrant. Eh, mais non, mais je les ai plus, enfin là. Les ampoules qui gonflent un petit peu. Non, on les voit pas trop quand même. Hein. T'as pas dû beaucoup travailler, Thérèse.